Cédric Villani, séquence 1, plan 1, prise 1. Bonjour, mon nom est Cédric Villani, j'ai 41 ans, je suis mathématicien, enseignant-chercheur à l'Université Lyon 1 et directeur de l'Institut de recherche Henri Poincaré à Paris. Mathématicien, c'est un métier d'avenir. C'est un métier dans lequel on est au cœur de ce qui fera le futur. Et c'est un métier qui est de plus en plus recherché, de plus en plus utile. Toutes les entreprises cherchent à développer leurs compétences mathématiques. Et c'est bien pour ça qu'il y a 6 ans déjà, le Wall Street Journal classait le métier de mathématicien comme le meilleur métier du monde. Créativité en mathématiques, on connaît, on en vit. C'est d'ailleurs le sujet sur lequel je suis le plus souvent interrogé par les entreprises. L'industrie n'a jamais été aussi forte consommatrice de mathématiques qu'aujourd'hui. Actuellement, la recherche mathématique, ça représente environ 15% du produit intérieur brut d'une économie de pays développé. Mais dans la Silicon Valley et ailleurs, les start-up, les entreprises sont bien contentes souvent de recruter des ingénieurs qui ont été formés en France et qui sont recherchés pour leur capacité de conceptualisation, pour leur facilité à se battre avec les algorithmes et les recettes abstraites qui feront tourner la machine. Un mathématicien, ça voyage. J'ai été sur tous les continents, j'ai enseigné dans plein de pays. L'école mathématique française reste extrêmement performante. Français, c'est un gage de performance, c'est aussi une mentalité. Le fait qu'on ne va jamais se satisfaire de l'existant, le fait qu'on va toujours chercher à se dépasser, le fait qu'on va chercher les raisons profondes. Et en même temps, la France, c'est un pays qui a toujours cette vision qu'elle a une mission d'enrichir le monde. Et malgré tout ce qu'il pourra y avoir comme dispute, comme trouble, comme complication, elle mettra un point d'honneur à continuer à remplir cette mission. C'est un bon investissement pour longtemps.